Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Bouclier. Donc j'avais pas fait de... Donc on est sur Switch, hein, pour ceux qui savent pas. J'avais pas fait de vidéo sur le jeu de base. Parce qu'en plus au début c'est toujours un peu long à démarrer tout Pokémon. Mais là il y a la première extension qui est sortie. Et donc... Voilà, ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller à... Isole Armure, et on va découvrir un petit peu ce que donne cette première extension avec cette nouvelle île, enfin cette nouvelle partie de carte. Oui, c'est une île d'ailleurs. Donc voilà ce que ça va donner en termes de superficie. Donc ça a l'air pas mal. Après c'est évidemment moins grand que la carte de base dans le jeu, mais ça a l'air sympa. Et puis ça, en sachant qu'il y aura une autre extension après qui arrivera en fin d'année, normalement, en automne. Pour l'instant, on n'a pas de date. Oui, c'est la première fois. Je suis biologiste, j'étudie Pokémon de cette île. Oui, parce qu'il y aura des nouveaux Pokémon. Ok, alors moi, je suis pas du genre à capturer tous les trucs sur lesquels je tombe. Je sais que c'est le truc de base, normalement, de Pokémon. Mais moi, c'est vrai que je cherche pas à tout capturer et tout. En vrai, j'en capture de temps en temps, mais... C'est pas, disons que c'est pas mon objectif principal, c'est pas ce que je fais le plus, quoi. Intégrer le dojo de l'île aujourd'hui, il y a quelqu'un de vraiment, vraiment bizarre devant la gare que je préfère éviter. Mentor. Ok, ouais, donc ce que j'avais vu, c'est quoi? Il y a un espèce de dojo. Par contre, mon petit pote, tu vas te détendre la nouille. Alors pour tous les experts de la strat et tout, vous m'en voulez pas, c'est pareil. Moi je joue en détente. Bon, ça a l'air pas mal du tout. Alors, en plus, il y a des types, j'avais un peu lâché l'affaire après la première génération, enfin j'avais joué quand même à des suivants, mais on va dire après la troisième génération, j'ai un peu lâché l'affaire. Donc ouais. Si tu le dis. Terminé. On va pas faire une vidéo très longue, hein, mais on va continuer sans changer. Allez, on voit ton Ramolos. On va refaire la même chose. Terminé. Merci, au revoir. Bon, j'espère que le donjon ce sera... Enfin, le dojo ce sera plus dur que ça, quand même. Et je pense, hein. Bon, je suis désolé si la caméra déconne un petit peu. J'ai le PC que j'utilise pour faire ça. Des fois, il est en PLS, je ne sais pas pourquoi. J'ai un chat qui est en train de faire des conneries, en plus. Comme d'habitude. Oui, 3% de ma force, bien sûr.
Donc faut lui dire à un moment donné que... Que le champion l'a battu en fait. Quel connard. Ah oui, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? On peut faire ça, d'accord. Il y a un truc par terre quelque part. Ok, donc là il y a des ramolos. Ok. Oh là-bas, regardez. Putain, ça pop dans tous les sens. Non, je veux aller là-bas, regardez. Je sais que je perds un peu de temps, mais... J'ai vu un point brillant. Ouais, alors celle-là, c'est une petite quantité d'énergie, donc il n'y a pas... Bon, c'est lui que je veux aller voir. Voilà. Exactement ce que je voulais faire. Après, on va explorer ça tranquillement. Ouais, on va lui refaire un petit coup de mâchouille. Elle est niveau 4. J'avais pas fait attention à ça en fait. Il rigole pas quand même. Bon après j'avoue que moi j'ai pas level up volontairement avant comme un porc pour cette extension, hein, j'y suis allé comme ça. Par contre, ça fait des dégâts, je crois. Ah non, c'est bon. Ah si, ouais, je suis pas fou. Bon, ça a permis de prendre pas mal d'XP. Par contre, je tourne la caméra. Pourquoi toi, tu te retournes? Voilà. Essayer de retourner là-bas sans se faire agresser. Enfin, en tout cas, il y a des Pokémon intéressants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une couronne de fleurs, ça, les gars. Ça peut pas être un Pokémon, c'est une foutue couronne de fleurs. Non, il y a des trucs quand même. J'aurais pu aller au centre avant de venir sur l'île. Il y a un Dynamax dans le coin, ok. Il y en a un autre là-bas. Petit polisson, ok. Ouais, enfin là, je suis tombé dessus par hasard quand même, hein. Ah ouais, il a pas rigolé lui.
Il a attrapé 150 topiqueurs, quoi. Laissez-moi tranquille. Bon, je suis désolé si on entend du bruit derrière, mais c'est comme d'hab. Bon, je vais pas trop... retrouver l'autre con. Connard, c'est vraiment un petit connard lui. Hein. J'espère qu'on n'entendra pas trop le PC souffler parce que lui. Il va falloir que je vois si la pâte thermique elle est pas morte parce qu'il souffle à mort. Bah lui, il y a bien longtemps que je lui aurais mis un coup de pression moi-même déjà. Ouais, mon pauvre PC, il est en train de souffler là. Merde. Je suis habitué à jouer à Animal Crossing, du coup... Je me trompe de bouton. À chaque fois, je sais pas si on rentre. Est-ce qu'on rentre dans le dojo ou est-ce qu'on explore un petit peu? Bon, en tout cas, j'espère qu'on n'entendra pas trop souffler, parce que. C'est la misère, on peut pas y aller derrière, non, on peut pas y aller par là. On peut personnaliser le vélo. Personnaliser le vélo. On va aller voir ce qu'il y a par là. Visiblement, c'est une grande zone un peu comme les terres sauvages. Bon, attendez, je me fais interrompre quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais voilà. C'est-à-dire que ça fait 3 heures qu'il y a un truc qui attend dans le four, mais le four est pas en route. Ah non, mais c'est pas ça. Regarde. C'est la pâte à brioche. Oh la vache. Bon. Et ça, c'est la pâte à brioche. Oui, bah viens pas te mettre devant, j'ai une caméra qui est en route quand même. Il est 22h30. Ah, il gueule du truc. Bon bah voilà. Vous comprenez maintenant. Non mais en vrai, là je dis ça mais on se marre bien quand même. Hein. Bah je sais pas. Moi je suis occupé moi en fait.
On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Une forêt, ok. Et voilà, voilà. C'était une interruption pas prévue, hein, je vous le dis. Bon voilà, c'est le genre de bêtises que je vis au quotidien. Bon, il y a une petite forêt là. Après, on va pas explorer en détail et tout. Hein. On n'est pas là pour ça. En une vidéo déjà, ce sera pas possible. Et puis, on n'est pas là pour ça. Hein. Est-ce que j'ai ça moi? Non, j'ai pas. Je suis désolé. Là-bas, c'est une tour d'entraînement, je crois. Pour aller se friter la gueule, pour s'entraîner. Je pense que ça peut être bien pratique avant d'aller au dojo. Il y a du Pokémon partout. Bon, par contre, vous le voyez, hein, et ça, c'était un des reproches que je ferais au jeu, c'est que techniquement, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, je trouve. Il y a moyen de faire mieux que ça sur la Switch, hein. Il y a des Pokémon de ouf. Oh, un Pikachu. Parce qu'en plus de pas être forcément toujours très beau techniquement, il y a des baisses de framerate. Enfin, c'est pas toujours très fluide et tout. Je pense que à ce niveau-là, il y avait moyen de mieux la réussir, même les animations pendant les combats. Enfin, c'est assez basique, ils se sont pas trop emmerdés. Ça a pas trop évolué depuis le premier, en fait, je trouve. Il y a du monde quand même, il y a du monde. Hein. On peut descendre par là. Il y a une grotte là-bas. Dad. Ok, dans la vie je creuse des trous. L'armurium, non. Ok, bon, on va faire ça. Bah continue, continue hein, mon gars, hein, tant que t'en trouves. C'est pas un détopiqueur ça? Ah si, c'est un détopiqueur, je suis pas fou. Enfin, après, dit, s'il en a chopé 150, lui, peut-être pas déconner, hein, quand même. Il y en a un autre là. Bon, après, ça peut être un défi marrant, mais bon. Il est là. S'il y en a 150 comme ça, sans déconner. Ça peut être un petit peu relou. Ah, oh, je l'avais pas vu.
On va fuir, hein. C'est un Pokémon sauvage, on peut trop s'emmerder avec ça. Là-bas, écoutez. Il y a un Dynamax, tiens. Je peux annuler. Parce que là, la dernière fois que j'ai... Oui. J'ai fait une recherche de joueurs. Ça m'a pas trouvé de joueur. Combat en solo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va y aller comme ça. J'ai peut-être pas le bon Pokémon du coup, mais c'est pas grave. Non. Je pense que j'ai pas pris le bon. J'aurais pas dû le prendre lui. Bon. C'est pas grave. On va se faire ça. Le but c'était d'explorer un petit peu, de vous montrer quelques zones de cette nouvelle île et puis. Puis voilà, on va pas aller plus loin après si vous voulez la découvrir. Par contre, tu fais beaucoup de bruit toi. Si vous voulez découvrir, bah, pour ceux qui n'ont pas le pass, je vous laisserai le faire vous-même. Bon, je l'ai bien éclaté déjà en fait. Ah, il va nous faire un bouclier. Ouais. De faire des attaques qui prennent deux tours là. Ah, c'est bon. Et le dernier. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Tu y arrives avec ta brioche? Aïe, j'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo de cette manière. Mon dieu. Allez, boum. Allez, et puis faites-lui des attaques, s'il vous plaît. On pète son bouclier. Voilà. Ah, il va peut-être finir par prendre, quand même. Il m'a pas fait grand-chose, mais... Par contre, eux, là, ils sont en train de prendre cher. Tempête de sable. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Après ça, comme vous l'avez vu, vous pouvez le faire avec d'autres joueurs. Je pense que ça facilite grandement les choses parce que moi je suis tombé sur un Steelix tout à l'heure. Enfin, ce matin quand j'ai essayé, j'en ai battu deux ou trois et le Steelix, j'ai pas réussi parce que j'ai des IA qui font n'importe quoi à chaque fois. Avec que des attaques qui sont pas efficaces, donc... Ouais, allez. On va lancer... une hyperboule. Non, normalement, ça devrait passer. On le sait bien dans cette maison, parce que quand c'est pas les chats, c'est toi. Allez. Tada. Attrapé.
Non, on va pas lui donner de surnom. On va l'envoyer dans une boîte. Et voilà. Ça, c'est fait. Il y a des trucs à ramasser partout. En vélo, c'est plus difficile, mais bon. On va regarder la carte. Où est-ce qu'on est là? Donc là, ouais, vous voyez. On est là. Donc, je pense qu'on est parti tout en bas. Donc, on a dû faire à peu près toute la longueur du truc. Hein. Donc, ça fait une bonne petite zone à explorer. Après, c'est voilà, évidemment, c'est pas aussi grand que la carte du jeu principal, mais bon. C'est pas le but. Hein. Puis, il y a tous ceux qui ont gueulé parce qu'ils ont fait des extensions. D'habitude, ils nous en sortent un troisième, même pas un an après. Donc au final... Pas plus mal de faire ça, je trouve. Par contre, les topiqueurs, j'avoue, il y en a de cachés partout. Merde. J'ai recliqué, je me cours tout le temps de bouton en fait. Parce que ça, comme d'hab, Nintendo, ils ont fait les choses à l'envers. Le bouton validé sur toutes les autres consoles, c'est pas le même sur la Switch. On va repasser par cette grotte. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter. Y arrives-tu, toi? Bah, vu le bordel que tu fous, c'est plus la peine de chuchoter. Hein. Il y en a 14 sur cette foutue plaine. Mais l'autre, quelle idée de capturer 150 topiqueurs, bordel. Non mais parce que dans la région où il les a capturés, ils ont 3 cheveux sur la tête. Du coup, ils sont marrants, quoi. Mais bon, 150, bordel. Allez. Arrêtez là, et puis peut-être que le dojo, je sais pas, je verrai. Peut-être que je ferai en vidéo. À voir. Aujourd'hui, le but c'était d'explorer un petit peu. Double esquive. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Voilà, donc là, il y a encore un dojo là-haut. Ok, bon. Bah, je pense qu'il faut aller s'attaquer au dojo d'abord avant de pouvoir aller là. Bon, bah, on va s'arrêter sur ce point de vue. Et puis peut-être que je ferai... Tiens, il y en a un là de caché, un topiqueur. Tiens, regarde. Il y a trois cheveux sur la tête. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Et puis, bah, encore une fois, hein, pour l'interruption. Salut. Merci à la prochaine.